comme des lapins. Alors traquons-les comme une meute. J'arracherai la tête de ce sale bâtard. Bah, si j'arrive avant toi, Limace. Laissez-le. Nous tenons la victoire. Tu vas bientôt rejoindre ton ami. C'est pour ce triste sac. Tes faux dieux sont un fléau pour ces terres. Mais tu ne sais rien de ce qui décide réellement de notre sort. Le tien est entre mes mains, Saxon. Je suis prêt pour mon dernier voyage. Montre-moi ce qu'il y a au-delà. En voyant tes dieux, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Il est mort, Eivor. Il ne respire plus. Par les dieux. Je n'avais jamais vu ce crétin se taire aussi longtemps. Tu es blessé, Brodeur. Laisse-moi rapporter le corps de ton frère au campement. Il a toujours été plus rapide que moi, même en sortant du ventre de notre mère. Et maintenant, il est au Valhalla avant. Même dans la mort, il a fallu qu'il soit premier. Ce banquet pour Corbeau est de ma faute. Ne te reproche rien, Eivor. Il a taillé sa propre route, comme toujours. Il ne connaîtra plus ni querelle, ni douleur. Seulement la gloire des combats et le festin éternel. Petit idiot! Je t'avais dit que le risque était trop grand! Du calme, Guthrum. C'est Fulke qui mérite ton courroux, pas Eivor. Tu n'as encore rien vu de mon courroux! Combien de mes hommes sont morts à cause de cette assoiffée de gloire? Tu connaissais le danger, Guthrum, aussi bien que moi. Tu y as vu une occasion et tu l'as saisie. En effet, j'ai eu le grand tort de t'accorder ma confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Oube, Soma, vous arrivez à une heure bien sombre. Et trop tard pour salir nos lames, ce qui est bien pire encore. J'espérais prendre Portchester avec elle, mais Fulke est désormais averti. Je ne tiens plus à combattre ici, je vais partir vers l'ouest. Pars alors, mais sache que tu me laisses dans le besoin. Ton vrai besoin, c'est de ravaler ton orgueil, nourrisseuse des corbeaux. D'écouter plus sage que toi. Eivor. Je t'écouterai, Guthrum, fléau des Saxons, si tu as l'intention de parler. Si tu veux reprendre ton jarl, tu dois être froide comme la glace. La bravoure est autant ton ennemi que ton allié. On ne se lance pas à l'assaut de causes perdues. Nous venons par surprise, et nous frappons vite. Assemble tes alliés, choisis le bon moment. Alors, et seulement alors, tu écraseras l'ennemi. Tu peux encore triompher. Tire profit de la sagesse d'Odin, de la puissance de Thor et de l'esprit de Freya. Va rechercher ton frère. Guthrum était furieux, mais il y avait de la sagesse dans ses mots. J'ai entendu et j'en tiens compte. Je sais reconnaître mes erreurs. Alors, il y a aussi de la sagesse en toi. Nous attendrons nos alliés avant de lancer l'attaque finale.
D'ici là, nous avons du travail. D'abord, il nous faut un nouveau campement. Les Saxons nous croient partis, mais nous allons nous rapprocher. Ici. Et venir par surprise. Erke, Sto, Yuvina, partez avant moi. Ensemble, nous triompherons de l'ennemi. Cela ne me plaît guère d'affronter les miens. Mais une dette est une dette. Et puis ce sont des gens du Wessex, le pays d'Elfred. Pas tes propres frères. Nous allons partir maintenant. Ensemble, nous nous abattrons sur eux comme le marteau de Thor. Ensuite, nous devrions nous en prendre au ravitaillement de Fulke dans tout le Sussex. Oui. Si on la laisse s'enraciner à Portchester, il deviendra impossible de récupérer Sigurd. La lettre trouvée sur l'éclaireur mentionnait Brigsworth, Guildefort et Crowley. Crowley produit des armes, Guildefort des vivres, Brigsworth est une place forte, avec de nombreux combattants saxons. Aube, j'ai besoin que tu attaques Guildefort. Soma, tes hommes et toi m'aideraient à Crowley. Compte sur nous. J'irai à Brigsworth pour évaluer la situation sur place. Bien. Je te rejoindrai après m'être occupé du campement saxon. Le cœur d'un lion et la ruse d'un corbeau. Guthrum t'a jugé trop vite. Nous avons du travail. Ne perdons pas de temps. Soma et Uwe, pardonnez-moi. J'aurais aimé vous faire un meilleur accueil après votre voyage. Je regrette surtout de ne pas avoir été là plus tôt. Il va nous falloir un peu de temps pour organiser les hommes. Puis nous nous mettrons en route au plus vite. Voilà un visage bienvenu. Soma, comment se porte Grant Bridge ? Très bien, comme lors de la première année. Et c'est à toi que je le dois. Le risque que j'ai pris alors était bien moindre que celui que tu prends aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon appel. Un serment est un serment, Eivor. Un noyau de fer recouvert d'argent. Uwe Ragnarsson, je suis soulagé de te voir ici. Bienvenue. Eivor, ami des loups me proposant d'attaquer le Wessex, comment aurais-je pu résister? Nous allons peut-être pouvoir achever la tâche commencée par ton père il y a une décennie. Es-tu prêt? Plus que cela encore, affamé.